Dans cette vidéo, nous allons revoir comment on peut factoriser. Donc nous avons l'expression a égale 3x moins 6. La question qu'il faut se poser, c'est à gauche et à droite de ce signe-là, avons-nous un facteur en commun? Ben ici, vous avez 3. Et est-ce qu'avec 3, je peux faire 6? Oui. Donc je vais prendre comme facteur en commun 3. Et je vais me poser la question. 3 fois quoi égale 3x? Ben, 3 fois x. J'ai le signe moins, je mets le signe moins. 3 fois quel nombre égale 6? Ben, 3 fois 2. Et voilà, j'ai terminé la factorisation du grand A. Pour le B, je regarde si je peux factoriser avec le nombre. En gros, est-ce qu'avec 5, je peux obtenir 2? Non. Est-ce qu'avec 2, je peux obtenir 5? Non. Donc, va falloir voir si je peux avec x. Est-ce qu'avec x, je peux obtenir du x au carré? Oui. Donc, je vais factoriser par x. Et je vais me poser la question, x fois quel nombre égale 5x? Ben, x fois 5. Le signe au centre est un plus, je remets un plus. X fois quoi égale 2x au carré? Ben, 2x au carré, c'est 2x fois x. Donc, c'est x fois 2x. Et là, j'ai factorisé au maximum. Pour le C, j'essaie de chercher un facteur en commun. Je vois ici que j'ai x plus 3. Et ici, je vois que j'ai x plus 3 aussi. Donc, c'est le facteur commun. Donc, je vais mettre ça. Et je vais ouvrir des parenthèses. Ou des crochets, comme vous voulez. J'ouvre des parenthèses et je recopie tout ce que je n'ai pas déjà colorié. Donc, x moins 5 plus 2x moins 4. Je fais exprès de mettre des parenthèses, même si elles ne sont pas nécessaires. Voilà. Donc ensuite, je vais enlever les parenthèses à l'intérieur. Comme c'est un plus, je peux tout enlever. Donc x moins 5 plus 2x moins 4. Et ensuite, je fais le calcul. Donc, x plus 2x, ça fait 3x. Donc, bien sûr, je réunis les x ensemble et les nombres ensemble. Et moins 5, moins 4. Vous enlevez 5, vous enlevez 4, vous enlevez 9. Et j'ai factorisé mon expression C. Ici, j'essaie de voir si j'ai le même facteur à gauche et à droite. Encore une fois, c'est bon. On a ici 2x plus 1. 2x plus 1, et ici nous avons 2x plus 1. J'obtiens du coup D égale, donc ce facteur en commun, D égale ce facteur en commun, j'ouvre les parenthèses, et je recopie tout ce que je n'ai pas recopié déjà. Donc 3x moins 2, et là, faites attention, il y a un moins, et ce moins est indispensable. Du coup, les parenthèses sont aussi indispensables ici. Voilà. Alors, je vous dis, on recopie tout ce que je n'ai pas recopié. Normalement, la question qu'il faut se poser, c'est 2x plus 1 fois quoi égale 2x plus 1 fois 3x moins 2. Bah, c'est ce 3x moins 2. Moins, moins, 2x plus 1 fois quoi égale 2x plus 1 fois x plus 6, bah, x plus 6. Donc là, maintenant, je fais l'étape où j'enlève les parenthèses. Mais là, il faut que j'enlève les parenthèses en réfléchissant. Donc, la première parenthèse, je peux enlever puisque je n'ai pas de signe devant. Donc, j'ai 3x moins 2. Et là, j'ai un moins. Un moins devant une parenthèse, on change tous les signes à l'intérieur. Donc, x devient moins x. Et le plus 6 devient moins 6. Et maintenant, je réduis ma deuxième parenthèse. Donc, j'ai 3x moins x, il me reste 2x, moins 2 moins 6, moins 8. Et j'ai terminé la factorisation du grand D. Pour le E, soit vous savez travailler avec x plus 4 au carré, soit vous changez la façon d'écrire en disant que x plus 4 au carré, c'est x plus 4. Donc, c'est x plus 4 facteur de
x plus 4. Et quand vous voyez ça, vous pouvez voir tout de suite que le facteur en commun, c'est x plus 4. Ensuite, vous allez avoir donc ce facteur en commun. Et vous recopiez tout ce qu'on n'a pas recopié. Donc x plus 5. Donc x plus 5 moins x plus 4. Mais c'est là où c'est dangereux ce que je dis, on recopie tout ce que je n'ai pas déjà recopié. Puisque, regardez ici. En fait, la question qu'il faut se poser, qu'on le prenne ici ou pas, on voit ici qu'on a x plus 4 et là qu'on a x plus 4. Donc vous avez ça en facteur commun. Et vous vous dites, x plus 4 fois quoi égale x plus 4 fois x plus 5 ben, c'est x plus 5 ici, moins, moins. Et ensuite, x plus 4 fois quoi égale x plus 4 au carré ben, x, pour mettre un carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc c'est x plus 4 fois x plus 4. Ensuite, on enlève les parenthèses. Donc faites attention, il y avait encore un moins. Donc comme il y a un moins, il faut réfléchir. Donc x plus 5, je peux l'enlever car je n'ai pas de signe devant. Moins, alors x devient moins x, du coup, et le plus 4 devient moins 4. Et je fais le calcul. Donc j'ai x moins x, il n'y a plus de x, 5 moins 4, ça fait 1. Et donc quand vous multipliez tout par 1, ça fait juste x plus 4. Donc tout ce résultat est égal à x plus 4 fois 1, c'est-à-dire x plus 4. Exercice numéro 6, factoriser. Alors là, on va utiliser donc l'identité remarquable qui est a au carré, donc a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est l'unique identité remarquable que vous êtes censé connaître en fin de troisième. Du coup, maintenant, on va repérer qui est a, qui est b. Donc nous avons a égale. Donc nous avons x au carré moins, et est-ce que 1 c'est un nombre qu'on connaît au carré? Ben oui, c'est 1 au carré. Une fois que vous avez ça, vous obtenez a égale, ben donc le petit a c'est x, donc x moins, le petit b c'est 1, donc x moins 1, facteur de x plus 1. Voilà. On va faire petit b, enfin grand b, donc grand b égale. Alors 4x au carré, c'est quel nombre qu'on met au carré? Eh bien, ne vous faites pas piéger, c'est 2x qu'on met au carré. Moins 81, c'est le carré de quel nombre? De 9. Donc vous avez ici 2x au carré, 2x tout ça au carré, moins 9 au carré. À la fin, vous obtenez du coup a moins b, donc 2x moins 9. Facteur de 2x plus 9. Et vous avez factorisé, vous avez bien transformé une différence en un produit, une différence en un produit. De la même manière ici pour le C, donc C égale 25, c'est quel nombre au carré? C'est 5 au carré, moins 16, c'est quel nombre au carré? C'est 4 au carré. Et x au carré, c'est quel nombre au carré? C'est x. Donc j'obtiens ici 5 au carré moins 4x, tout ça au carré. Tout ça pour avoir à la fin, c'est égal. Donc a moins b, facteur de a plus b. Voilà comment on utilise cette identité remarquable pour factoriser. Donc c'est quand on ne peut pas factoriser de cette manière-là. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'à gauche et à droite, on n'a pas de facteur commun. C'est que forcément, si on vous demande de factoriser, on a une identité remarquable. Et là, pour ces exemples-là, c'est cette identité remarquable-là. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur la factorisation.